c'est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, dans lequel il y a deux trous. Dans les trous, des soldats. Ils sont ennemis. L'ennemi. L'ennemi est là, mais on ne le voit jamais. Au matin, je me lève et je tire un coup de fusil sur lui. Alors, il tire un coup de fusil sur moi. Nous restons cachés le reste de la journée, en attendant de voir la tête de l'autre. Mais aucun des deux ne lève jamais la tête hors de son trou. Même si j'ai faim, j'attends. J'attends que ce soit l'ennemi qui allume son feu, parce que si j'allumais le mien, il pourrait en profiter pour s'approcher et me tuer. Mais quelquefois, j'ai tellement faim que j'allume mon feu le premier. Aussitôt, l'ennemi allume son feu. Je suis seul. Depuis la mort de Michel, il n'est venu personne d'autre ici. L'ennemi aussi doit être seul. Il tire toujours un seul coup de fusil à la fois. Et il a faim. Ce sont les deux seules choses que nous avons en commun, l'ennemi et moi. Mais la différence entre lui et moi est énorme. Lui, c'est une bête sauvage. Il n'a pitié de personne. Il tue les femmes et les enfants. Il tue sans raison. C'est de sa faute à lui s'il y a la guerre. J'ai lu tout ça dans le manuel. Le premier jour de guerre, il y a longtemps, ils nous ont donné un fusil et un manuel. Le manuel dit tout sur l'ennemi. Il dit qu'il faut le tuer avant qu'il ne nous tue, parce qu'il est cruel et impitoyable. S'il nous tue, il exterminera nos familles. Il tuera les chiens et puis tous les animaux. Il brûlera les bois, il empoisonnera l'eau. L'ennemi n'est pas un être humain. Quelquefois, je pense qu'ils nous ont oubliés. Il y a des semaines, des mois qu'on n'entend plus le canon. Peut-être que la guerre est finie ou peut-être qu'ils sont tous morts. Quelquefois, je pense que le monde n'existe plus. Je n'ai pas beaucoup à manger. De la viande séchée, c'est tout ce qu'il me reste. Une fois, j'ai failli attraper un lézard. Il s'est approché tout près de mon trou. Mais j'ai pensé, s'il me voit manger un lézard, l'ennemi va penser que je suis désespéré. Heureusement, il y a l'eau du puits à boire. Mais il faut faire attention, rester sur ses gardes. L'ennemi pourrait l'empoisonner. La nuit, au-dessus de mon trou, il y a beaucoup d'étoiles. Les étoiles font penser. J'aimerais être là-haut sur une étoile et regarder en bas. Parfois, je me demande à quoi pense l'ennemi. Regarde-t-il lui aussi les étoiles? Mais je ne peux pas être le premier à arrêter la guerre, parce que sinon il me tuera. Il faut que ce soit lui qui cesse la guerre en premier. S'il regardait les étoiles, lui aussi il comprendrait. On comprend beaucoup de choses en regardant les étoiles. Mais je ne sais pas s'il les regarde. Il commence à pleuvoir. C'est toujours comme ça. Un été très chaud et puis la pluie. Je n'aime pas la pluie. Chaque fois qu'il se met à pleuvoir, je pense qu'il faut vraiment cesser cette guerre. Mais je ne sais pas comment faire. Ce sont les autres qui savent, ceux qui commandent. Mais ils ne me disent rien. Cette nuit, j'ai réfléchi. Le bruit de la pluie m'empêchait de dormir. La semaine prochaine, il n'y aura pas de lune. L'ennemi ne pourra pas me voir dans le noir si je sors de mon trou. La semaine prochaine, la guerre va finir.
je suis prêt. L'ennemi croit que je dors, mais il se trompe. J'ai pris mon déguisement numéro 3, celui du buisson. Je sors. Je rampe lentement vers le trou de l'ennemi. Il ne s'attend pas à cette surprise, c'est sûr. Il croit que je dors comme toutes les nuits. Je vais ramper jusqu'à son trou et je vais le tuer. Comme ça, la guerre sera finie. Comme ça, je pourrai rentrer chez moi, retrouver ma famille. J'ai fait une bêtise. Le manuel dit « Ne jamais sortir la nuit parce qu'il y a des lions la nuit. » Je viens d'en voir un. Il faut que je reste immobile. Les lions peuvent voir dans le noir et ils flairent. Ils peuvent flairer une proie dans l'obscurité. J'ai eu de la chance. Le lion est parti. Maintenant, tout ira bien, j'en suis sûr. Je rampe encore tout doucement. Je suis presque au trou. Mais je ne veux pas tirer tout de suite. Je veux voir son visage, le visage de l'ennemi. Puis je le tuerai. Il n'y a personne. Dans le trou, il n'y a personne. Je ne comprends pas. Il est forcément là. Il est toujours là. Mais il n'y est pas. Il y a ses affaires, de la viande séchée et des petites barres de vitamines. Et il y a aussi des photos. On dirait une famille. Peut-être qu'il a une famille. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ne nous ont rien dit. Je me demande comment il peut tuer des femmes et des enfants s'il a une famille qui attend son retour. Quelle espèce de monstre est-il donc ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Un manuel. Un manuel comme le mien. C'est le même. Non, il y a une différence. Dans celui-ci, l'ennemi à combattre a mon visage. Mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un monstre. Je n'ai pas tué des femmes et des enfants. Je suis un homme, moi. Ce manuel ne dit que des mensonges. Ce n'est pas moi qui ai commencé cette guerre. Et moi, je ne tuerai jamais les animaux, et je ne brûlerai pas les bois, et je n'empoisonnerai pas l'eau, s'il se rend. C'est bientôt l'aube. Toujours aucun signe de l'ennemi. J'ai compris où il est. Il est dans mon trou. Il a voulu me surprendre dans mon sommeil pour faire finir cette guerre. Et maintenant, il a compris que je suis dans son trou et que je ne peux pas en sortir. L'ennemi est très fatigué. Maintenant, je le sais. Et je sais qu'il a une famille qui l'attend. Si cette guerre cessait, nous pourrions rentrer chez nous, chacun chez soi. Si la guerre cessait, je pense qu'il suffirait de peu. Il pourrait m'envoyer un message pour me dire « Maintenant, on arrête la guerre ». S'il envoyait ce message, j'accepterais tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il attend ? J'en ai assez d'attendre. Il y a d'énormes nuages noirs dans le ciel. Il va pleuvoir encore et je déteste la pluie. J'ai mis le message dans une bouteille en plastique. Je l'ai écrit sur un mouchoir. Puis j'ai fermé la bouteille, j'ai visé soigneusement et j'ai lancé... La bouteille est tombée en plein dans le trou.